Bonsoir et bonsoir, c'est Polo, bienvenue sur Super Mario Odyssey. C'est le moment de continuer notre aventure. La dernière fois, on s'est laissé dans ce monde et mon petit bonhomme commence à crever de chaud. Eh ben, voyons donc. Non, shit, c'est parce que c'est un singe, il est poilu. Poilu dans le désert. Anyway, bon, on va changer de costume. Ce qu'on va faire, c'est choisir au hasard. Et de cette façon, on aura des costumes loufoques. Un astronaute peintre. Oh, ça me va. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est acheter des indices. Et là, ça va me coûter cher au moins du temps parce qu'il y a une tonne d'indices à acheter, c'est pas incroyable. Donc, ouais, je vais spammer le bouton A ici. Jusqu'à ce que j'achète les indices, ça va être Ok, il ne trouve plus d'indices, ça m'a pris du temps, oui. Ça a pris 10 ans pour acheter tous ces indices. Ce qui coûte m'a complètement vidé les poches, voyons donc. Donc, regardons la carte et. Waouh! Waouh! Il y avait une grande quantité de lune ici, c'est pas incroyable! Non mais, je suis allé quasiment partout, j'ai quasiment rien trouvé. Mon dieu, qui je suis avec, oui? Ok, on va commencer par ici. Let's go, les boys! Donc, une lune juste en dehors. Ici, quelque part ici. Peut-être avec le chien chaud? Oh, c'est vrai, sur le chien chaud, il va trouver quelque chose pour toi, Pépito! T'as trouvé quelque chose? Et oh! Oh! Ok! Oh! Désolé! Wouhou! Mon dieu, j'ai plus d'argent, c'est pas incroyable! Donc, on y va les boys, on va aller ailleurs, cette fois-ci on va trouver la lune qui est juste ici, je pense, hein? Attendez, si c'est du pognon que vous voulez, j'en ai plein les poches, mes pods! Ouais, c'est tout ce qu'ils disent. Attends, ne poussez pas, s'il vous plaît, il y en a pour tout le monde. Là, j'ai la gorge sèche comme dans le désert. Oh, peut-être qu'il... Wouh! Hey, mais comment tu m'as trouvé? J'étais fondu dans le paysage comme un glaçon fond au soleil. Tiens, je te donne ça en échange, je ne dis à personne que tu m'as vu, ok? Il est en train de se promener comme nous, oui. Donc, le truc, c'est que... Il y a des glaçons ici, puis ça... C'est pas en train de se fondre, voyons donc. Faut que je pète tout ça pour faire en sorte que le taxi puisse bouger ses fesses, hein, si je me rappelle bien. Mais bon, en tout cas, on va aller dans la boutique. Peut-être qu'il y a des vêtements à acheter, hein? Ok, pas le temps de niaiser, les boys! Ok, il y a plusieurs lunes ici à acheter, mais on va acheter ça plus tard. Costume de Wario, why not? On va le mettre plus tard, la prochaine fois, c'est bon? Parce que pour l'instant, j'aime bien mon costume. Je vais chercher encore plus de pièces mauves, mais ensuite, je vais faire des achats. C'est good, les boys? On va commencer par... Qu'est-ce que j'ai à faire ici? Il me semble que j'ai déjà tout fait, non? Je crois pas que j'ai besoin de faire de quoi ici, mais on va tenter le coup. Oups! Ah ouais! Vous avez vu? Je l'ai déjà... Ok, c'est sur le toit, en fait! Ouais, c'est sûrement sur le toit. J'adore tellement cette musique de fond. Ah, ok. Je l'ai vu. What's up? Là, il veut quel genre de musique, lui? Attends. Salut. Je parcours le monde en quête de nouveaux sons. Là, je cherche une musique sur un thème bien spécial. Pourrais-tu peut-être m'aider à trouver? Tu t'y connais en musique? Yes, sir, je connais tout, moi. Voyons voir, le thème, c'est... Souvenir d'un combat difficile. Ok, souvenir d'un combat difficile. Ça. Hein? Confrontation, c'est pas du tout ce que je pensais, hein? Non. Si on allait... Attendez. Je cherche le combat avec Bowser. Ça quoi? Attendez. Non. Je vais juste faire ça comme ça. Oh! Je crois que ça marche là, hein? Non, c'est pas ça! Ah! Okay. Oh, Colin, il faut vraiment que je choisisse un truc et que je le fasse écouter ça. Ok, chut! Non? Mais j'ai rien! Attends, Château de Peach? Non! J'ai vraiment... Ok, tiens, voilà! J'aurais dû y penser! Voyons non, j'aurais vraiment dû y penser, j'ai vraiment désolé pour le contre-temps, les amis. Ok, c'est bon.
Là, il n'y a pas vraiment de passe-pardon ici, voyons donc. Donc, moi, je vais vraiment changer de musique. Je vais écouter ce que j'ai écouté tout à l'heure. Ça. Ah, c'est tellement joyeux, oui. Oh, toi. Oh non, il me semble que je t'ai déjà pogné, si je me rappelle bien. Attendez. Ouais, je l'ai déjà pogné parce qu'il n'y a pas de X sur lui. C'est bon. Je voulais juste faire la vérification. Ok, il y a quelque chose ici à peu près. Non? Ok, c'est pour l'indice. Donc, ok. Ah, il faut aller au château de Bowser. Ça, c'est le château de Bowser. Et ensuite, là, je fais 6 pas vers la droite. Et j'aurai une lune. Quelque chose comme ça. Ok, attends, on va prendre ça en photo. Bro, ce sera pour plus tard, les boys. Et voilà. Ensuite, ok, il y a 2 lunes à aller chercher ici. Voilà. Mon dieu, attendez. Je sais pas pourquoi, mais quand il y a des indices, c'est ça à 100%, c'est plus facile de trouver comme les lunes, oui. Mais lorsque j'ai pas d'indice, je manque toutes ces affaires-là qui sont évidentes quand même. C'est crazy. Soit je suis aveugle, soit le jeu y a bien fait pour cacher ces affaires, hein? Pourquoi je sens qu'il fallait que je prenne des Goombas? Oh, oui, 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 il faut sûrement prendre des Goombas. Attendez. D'après, il y aura une femme à aller chercher. Non! Ok, non, j'ai même pas de casquette. Voyons dans mon type, on était en train de dire des conneries. Okay, je vois une lune là-bas, mais il y a sûrement une lune quelque part d'autre, les boys. Je me demande si la lune est en train de faire le tour. Tu vois ce que je veux dire? Wouh! Peut-être que c'est ici? Non? Je sais qu'il y a une lune qui se cache quelque... Ah! 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 J'ai vu le bloc caché, les boys! Moi, je regardais les blocs qui tournaient comme en 90 degrés et je cherchais des lunes. Parce que peut-être, comme vous voyez, quand il y a des pièces ici, là, qui se cachent, c'est un peu la même chose avec les lunes. Peut-être qu'il y a des lunes qui se cachent. Mais une lune qui se cache. La musique est tellement épique, oui! Wouh! Ok! Au moins, on a tout obtenu, on n'est pas venu ici pour rien! Wouh! Hé, hey, attends, ne me laisse pas tout seul! J'allais le laisser tout seul! Oups, c'était easy! Oups, j'ai pas fait exprès, les boys! Au milieu? Ah! Comment je l'ai pas vu la dernière fois? Je t'ai passé là en plus! Ah, Colin! C'est tellement évident quand t'es des indices, mec! Ah! Non, voilà! Des fois, je me déteste! En chapeautant la fontaine! En chapeautant la fontaine! Bon, donne-moi ma lune, boy! Attends. J'aurais dû regarder la map pour voir si ça compte. Comme s'il y a un X ici. Oui, hein? Oui, hein? Non, 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 attendez, attendez. Ouais, 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 je crois que le X, c'est pour ici. Ouais, 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 c'est pour me montrer qu'il y a de quoi ici. Bon, ben, ok, je vais chercher une autre graine alors, hein? Ouais, 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 parce qu'il n'y a pas autre chose, les boys. Je vais voir quelque chose. Je suis déjà rentré là-dedans si je me rappelle bien. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas de X. Alright, les boys. Bon, on peut y aller. Oh, what's up, boys? On veut rentrer plomb. Qu'est-ce qui se passe, mon gars? Pourquoi tu ne les laisses pas rentrer? Pour pas eux derrière cette porte, il y a un code vestimentaire à respecter. Désolé, mais quelque part ne convient pas. Je n'ai pas peint. Attends. Je ne peux pas te laisser entrer. Inspire-toi un peu des villageois. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Il faut que je change mon costume. Non, c'est tellement dur de lire comme. De la façon.
Parce que eux, ils utilisent beaucoup de Z au lieu des S et trucs comme ça. Donc, changez la façon de dire les trucs là. Essayez vous-même. Essayez de lire ce qu'ils disent. C'est tellement difficile. Dans la tête, ça peut être facile, mais lorsqu'on parle là, c'est un petit peu difficile. And the way, ok, sombrero. Et, Pancho. Yo, yo. Hey! Oh, est-ce que c'est moi ou bien? Mon gars. Oh, je crois que la lune que t'as là, c'est... Attends, c'est... Est-ce que c'est celle-ci? Juste pour toi. On sait jamais, on sait jamais. Ok. Alright. Mais c'est pas marqué sur ma map que t'as une lune, toi. Peut-être que c'est juste pour nous dire « Oh, j'ai encore beaucoup de lune à te vendre, alors viens ici, mon petit pépito, mon petit chinois vénéneux, et donne-moi tout ton argent !» Peut-être que c'est ça, hein, on sait jamais. Ok, est-ce que je peux rentrer, mon gars? Pauvre les gros bonhommes, ils sont coincés ici, dans le show, ils sont tous poilus. Je plains vraiment leur constitution. What? Et puis tout le monde danse et... Ah, oh, ok, j'ai compris, il faut que je danse. Est-ce qu'il faut que je fasse quoi? Je peux rien appuyer les boys! Hein? Ok, c'est bon! Plon! That's it? Est-ce qu'il y a d'autres lunes ici? Il y a pas de lune. Donc, ça c'est comme un club! Un endroit pour danser la nuit! Yeah, yeah! Avec la drogue et l'alcool! Yeah, yeah! Ok, c'est bon ça! Et ensuite, on va aller. Okay, ici, je peux rien faire pour l'instant, il me faut une graine. Ici, je peux rien faire pour l'instant. Mais, peut-être qu'il y a... Peut-être qu'il y a vraiment une autre lune. Ici. Peut-être que si je parle à ce mec-là, on sait jamais. Tu sais que c'est... Ah, que lui, ils sont amis. Bon, blablabla. Donc, ouais, vous savez quoi. Je chauffe là. Peut-être que si je pète ce poteau... Oui! Je devrais amener un jacti ici, péter ce poteau. Ok, je vais le faire après si je vois un jacti. C'est bon, les boys? Donc, première chose à faire, se diriger ici. C'est bon? Oui! Je suis arrivé. Alright! Oh, ça vibre! Ça vibre! Yeah! D'accord. J'ai vu deux lunes. Ouais, en ce moment, je vois deux lunes là. Une là et une au fond là-bas. C'est bon. On va aller un petit peu plus au fond. Plon! Où est-ce que je peux trouver un Goomba? Je me rappelle qu'il y a une lune qu'il faut que j'aille. Oh, oh, oh! Oh, call in the bin! Je me rappelle qu'il y a... Oh, what? Il y a une lune à aller chercher avec un Goomba. Il faut que je séduise un Goomba. Oh, Pepito! Attendez. Je me demande si... Ouais, je peux le faire. Attendez. Ah, Corinne de Bill. Ok, je vais faire le tour. Je voulais prendre un petit raccourci là, mais fuck that shit. Ça, mon gars. Voilà. Mais il y a une autre lune, non? Ça peut pas être ça. Peut-être une plateforme en haut? Attendez, on va regarder ça. Ok, on va redonner cette graine au pot et on va voir ce qui se passe. Schlau! Ben, je vais faire ça comme ça là, ça va être beaucoup plus rapide. Wouh! Une chose qui s'est passionnée avec ça. Bon, alors là, après, il faut que j'attende que ça pousse. Donc, je ne sais vraiment pas. Oh! Non, ok, ça c'est une lune complètement différente. Ok, ouais, il faut que je pète le poteau ou bien. Que je rentre dans un endroit bizarre
maudit, leur backstory amène ici. C'est comme, ils doivent se pencher pour sortir du backstory, c'est pas incroyable. Ok, le X qui était là représentait vraiment la graine. Ah, ok, 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 c'est bon, c'est bon. Donc, ici, me semble que je pouvais pas faire de quoi. Hein. On va aller vers les X qui sont en bleu, tout d'abord. Et ensuite, on va prendre les autres. Les autres, en fait. Mais le gros problème, c'est. Comment je fais pour aller en haut? Ah ah, fil électrique! Alright, 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 ok, ok, c'est bon, c'est bon. Oh, mais les Goombas sont là! Ok, ok, je vais venir ici après pour prendre des Goombas. Mais un Goomba, allez, c'est dur, ma belle! Qui se trouve très, très, très loin dans le désert, voyons donc. Je dois aller sauver Princess Peach, Princess Goomba. Je crois que je peux aller là, hein. Non, pas du tout, oubliez ça, man! Ok, il y a une lune juste ici. Ah! Oh, oh, oh! Je peux te dire ici? Alright, alright! Fallait le dire, mes boys! Voyons donc! Il y a deux Goombas, c'est dur, donc! Il y a Princesse Daisy, Princesse Peach à les sauver. Wow, wow, wow! Oh, j'étais en train de gratter, alors, hein! Chance que le bullet bill s'est explosé la gueule tantôt! Haha! Ah. Bro! Salut ma belle! Hey, ah, allez, donne-moi ta lune! Yes! C'est comme ça qu'ils sont en train de se draguer. Donne-moi ta lune, vous voyez ce que je veux dire? Ok, façon bizarre de se draguer, oui. Et regarde! Mon vrai corps! Il est là! Oh! Ah, tu reviens plus? Ok, elle est revenue. Bon, elle est en train de niaiser avec moi, voyons donc. Là. Il me faut un jacci pour péter ça, je pense, hein. Je me rappelle avant, j'avais trouvé une cache similaire, mais j'ai pas réussi à la péter. À moins qu'il n'y ait pas un coup de pierre. Comme moi, j'en ai le coup de pierre. Ah! Et voilà, voilà, j'ai vu comment. Ici, il y a un petit trou. Bro! Voilà. Qu'est-ce que c'est simple? Une percée en belle balle. Ensuite, c'était quelque part ici? Non? Un peu plus en haut peut-être, hein? Attendez, attendez, attendez! Flo, Flo! Est-ce qu'il y a des trous en bas? Hein? Ok, je crois que je vais aller en haut tout d'abord, hein? Ouais, on va voir s'il y a de quoi. Let's go! Il y a une lune ici. Déjà prise. Wow, 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 ça commence à devenir compliqué là. Il n'y a rien en haut ici. Bon, ok, je vais laisser faire pour cette lune pour l'instant. Oh, oh, j'ai complètement foiré mon coup de boys. Ça veut quoi? Oh, come on! Ah, colline de blé! Ok, ok, si je réussis pas à monter cette fois-ci, je saute par la fenêtre. Colline! Ok, je vais sauter par la fenêtre, mais après. Faut pas que je fasse de saut après. Oh! Ok, ok, fuck my life. Je vais prendre ça tout d'abord. Oh, mais... Oh, ça c'est la lune que j'ai cherchée tout à l'heure. Je l'avais vue dès que je suis tombé en bas. Mais je voulais la prendre après. Mais quand j'y pense, c'est vraiment la lune qui devrait se retrouver ici, genre. Ouais, ouais, ouais. Ok, okay, c'est bon, c'est bon. Tellement lune. Allez chercher mes amis. Voilà, rien qu'à faire ça comme ça, comme ça, on va pas manquer notre coup. Wouhou! Quoi sert ce switch? That's it? C'est vraiment juste pour ça. Alors les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Donc si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, point dans le ciel, partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo.
Bye bye!